Durant la crise sanitaire, bon nombre de sanctions administratives communales, les fameuses SAC, ont été adressées à des Bruxellois qui ne respectaient pas ces mesures sanitaires mises en place. Alors avec cette précision, aujourd'hui, selon une nouvelle étude, cette émission de sanctions n'a pas été la même en fonction des communes de la capitale. Bonjour Arnaud Bruckner. Bonjour. Alors vous avez lu cette étude de Brussels Studies pour nous. Que disent les chiffres? Alors l'étude réalisée par une chercheuse de l'université Saint-Louis et publié dans Brussels Studies s'intéresse en fait à la période entre les mois de mars et de juin 2020. À cette époque, face à la crise, on est alors au tout début du confinement. Un accord est conclu entre le procureur du roi de Bruxelles, les différentes zones de police bruxelloises et les 19 communes pour que ces dernières puissent sanctionner les infractions Covid, ces interdictions de rassemblement, les déplacements non essentiels, etc. Au total, en région bruxelloise, on a compté donc entre le 18 mars et le 30 juin 2020 12 999 PV Covid, soit un tiers des dossiers traités à cette période hors arrêt et stationnement, avec, vous l'avez dit, de très larges divergences entre certaines communes. Ainsi, par exemple, Woluwe-Saint-Pierre n'a dénombré que 37 PV Covid durant cette période, ou 152 à Oudergem, alors qu'on en a compté 1196 à Ixelles, 1428 à Schaerbeek, ou 3269, c'est le nombre le plus élevé sur la ville de Bruxelles. Alors, en tête, si on doit faire un trio avec la ville de Bruxelles, on retrouve Molenbeek et Schaerbeek, suivi d'Anderlecht et d'Ixelles. Mais Arnaud, on imagine qu'il n'y a pas vraiment de hasard. Les communes que vous citez sont parmi les plus peuplées de la capitale. Oui, c'est ce que note l'auteur de l'étude, qui parle d'une répartition très inégale du nombre de dossiers entre les communes. Les cinq communes les plus peuplées qu'on vient de citer et qui représentent 51% de la population régionale comptabilisent 67% du total de dossiers Covid. Alors si l'on se concentre sur les communes que la chercheuse appelle le croissant pauvre bruxellois, donc c'est Anderlecht, ville de Bruxelles, Forêt, Molenbeek, Schaerbeek, Saint-Gilles et Saint-Josse, on arrive en fait à 70% de ces fameux dossiers SAC. L'étude évoque comme source à cette situation la densité des communes, mais aussi d'autres raisons. Oui, la chercheuse évoque les enjeux préexistants en matière de gestion et d'accès à l'espace public, la diversité géographique de chaque commune, les fortes inégalités socio-spatiales à Bruxelles et les différentes cultures d'intervention au sein des zones de police, là je la cite. Comprenez donc, si je simplifie, que ces différences entre chaque commune ont trait à la morphologie de chaque commune et à sa population, ainsi qu'aux ailes plus ou moins grandes des services de police. Reste que l'étude parle bien de pratiques discriminatoires. Merci beaucoup Arnaud Bruckner pour ce résumé de cette étude qui est à retrouver sur le site bx1.be. Merci.